Je disais tantôt que c'est mélangé. D'aucuns vont choisir si c'est le hic ou c'est le hoc. Bon, c'est mélangé. Je vais vous dire que c'est le botox. Tout le monde joue là. D'accord. C'est mieux de dire d'accord. Tu as répondu comme moi quand je suis au village et quand tout le monde me parle. On te parle en fait, on te dit malade. Que menace et tout ce que c'est. Il y a mon nom. C'est mon nom. Même il y a mon coco, il y a mon coco. Ça fait hic. Il y a mon hic. Il se moque de moi. Bon, voilà. Moi, je voudrais aujourd'hui parler à mes frères et à mes sœurs d'une seule chose dans la vie. Beaucoup de gens manquent de courage et se sous-estiment beaucoup. Il faut éviter de vous sous-estimer dans la vie. Quand tu dis déjà « je ne peux pas », qui va venir pouvoir à ta place? C'est-à-dire qu'il y a des simples formules dans la vie que tu vois que quand il est comme ça, on lui dit par exemple que, bon, on croit que d'ici 2 ans, tu pourras apprendre et devenir un très grand monteur et ça peut t'aider. Il dit, moi si. Je ne connais même pas comment on tient la machine pour faire ça. Mais à force de forger, on devient forgeron. Tout ce que tu veux dans la vie, si tu le veux avec foi et avec ton corps, ton âme, je crois que tu vas pouvoir. Maintenant, il faut éviter les rêves. Quelqu'un reste seulement, il rêve, il dort en rêvant, il rêve simplement, il se saute et dit, j'ai rêvé que je suis devenu un grand informaticien. Mais va apprendre l'informatique. Bon. Tu crois que tu vas directement te lever le matin, directement, tu vas à connaître, faire l'informatique. Ça s'apprend. C'est comme un élève, on a remis les bulletins aujourd'hui. Il y a des élèves qui ont passé la journée ou bien la soirée à prier hier. Que Seigneur, fais que j'ai une bonne moyenne. Le Seigneur fait quoi? Dieu ira changer la note qu'on t'a déjà mise là. Ou bien on t'a demandé d'étudier que l'histoire et la connaissance du passé basée sur les écrits depuis l'invention de quoi jusqu'à nos jours. Tu écris ce que tu veux. Et maintenant, tu crois que Dieu va venir rectifier ça à toi? Dieu ne viendra pas rectifier. Dieu te donne la force au moment où tu dois écrire. Peut-être que tu as une mémoire fraîche pour te rappeler. Et il faut répéter de temps en temps. Dieu peut endormir la mémoire du prof. Hein? Voilà. Il faut répéter de temps en temps. Dieu endort la mémoire du prof. Tu nous rappelles des choses que nous faisions quand nous étions tout petits, jeunes à l'école, et on se disait que ça marchait. Parfois, le maître arrive en classe, il doit choisir un élève et c'est lui qui ne trouve pas, on doit le fesser. Tu plies le doigt comme ça, tu dis, je te maudis, je te bloque, Et quand on ne te choisit pas, tu dis que non, que ça a marché. Ne sachant pas que c'est parce que ce n'était pas ton tour. Quand c'est ton tour, on va bien te fouetter. Donc, mes chers frères et sœurs, battons le fer quand il est encore très très chaud. Parce que c'est quand le fer est chaud qu'il prend la forme que tu veux. N'attends pas que quelqu'un vienne faire ta vie à ta place. Et ce que tu veux apprendre, apprends-le dès maintenant. Commence maintenant. Dis-toi que non. On commence à 0 pour arriver à 1. Donc, directement, il n'y a rien qui a commencé par 1. Ça commence par 0. Après 0, 0, virgule, après ainsi de suite. Demain, tu te retrouves déjà à 2, 3, 4. À ne pas confondre de toutes les façons avec la concurrence. Parce que d'aucuns croient que vouloir être performant, c'est faire la concurrence. Non, on n'est pas en concurrence, mais on cherche juste d'être meilleur que ce qu'on était hier. Quelqu'un m'a dit une fois, je ne suis en compétition avec personne. Je cherche juste d'être mieux que ce que j'étais hier. Voilà. C'est de quoi croire que si tu t'améliores ou bien si tu te bats, ça veut dire que tu es en train de faire la concurrence. Mais non! Donc, c'était le hic, le hoc de Caladan ce soir. Toi qui nous regardes à la maison, toi qui es désespéré, toi qui penses que les gens viendront faire ta vie à ta place. Ouais. N'attendez pas la main qui va tomber du ciel. Voilà. Comment on fait son debout, lit, on se couche. Debout. Ouais, debout. Merci Caladan pour ton hic et ton hoc. Je lis juste la remarque de quelqu'un hein, sur la page officielle de Canal 2. C'est Cyril Essomba qui dit c'est comment, juste pour vous souhaiter déjà un bon week-end, et il y a des milliers de personnes qui me connaissent dans le monde. Et puis Jacques Aubaker, c'est comment, pourquoi Caladan est si calme comme ça? Ouais. Question. Ouais. Jacques Aubaker, est-ce que tu me trouves calme? Bon, ça peut arriver, mais je ne suis pas calme, je peux te l'avouer. Caladan a réfléchi, c'est le vendredi, hein, c'est le vendredi. On se permet tout ce vendredi. Merci pour le hic et le hoc, Caladan. Qu'est-ce qui va suivre? Je crois bien que ça va être...
Ça fait TikTok, oui. Voici. Avec le commandant de brigade, Tatiana. Le commandant vous salue. Écoutez, ça se voit que le commandant a plutôt bien pointé cette semaine. Parce que...